avancé. Seigneur, nous bénissons le matin pour ça, oui, ça fait. Venez devant pour nous capables de réclamer grâce, fait non, pardon, pour pécher nous, ça nous dit penser, fait. Qu'on est là, nous prions pour parole, pour voir éclairer l'esprit, non. Nous prions pour frère Axel, nous, qui sont famille, que nous réclamer grâce, bénédiction sur la vie, sur le ministère, ça. Matin, Seigneur, nous prions que nous continuions à faire miracle, ça. Parce que nous essayons quand même, parce que nous connaissons ici Internet, le signal a toujours des problèmes. Mais nous bénissons parce que c'est volonté. Au souverain, on fait tout ça, vous voulez. Nous prions au Seigneur, va diriger nous. Tout ça, nous devons nous faire matin. Nous servons ça et dans le service au nom de Jésus, qui a vécu, qui a pris au siècle des siècles. Amen. 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 Bon, Père Axelio, d'abord, nous merci. Merci pour famille ça, nous faire ensemble. Et ma remercie tout de façon publique. Et grand campagne évangélisation que le ministère ça a été supporté pour la première fois. Et depuis que j'ai fait le ministère ça, depuis l'année 2000. Donc c'était la première fois que nous avons toute quantité de sons. Donc je dis bon Dieu merci en pile parce que. Nous devons côté nous devons camper parce que problème sont à bail problème mais année ça et mon cher nous te gain son côté l'évangile a arrivé pile loin donc devoir pas nous les nous faire évangélisation nous pas bail monde de pression pour convertir nous seulement enseigner au prêcher et nous quitter parole là pour le faire chemin donc après ça ouais ou vienne l'église là ou converti à l'autre côté donc c'est toujours comme ça devoir pas nous se semer donc moi mandé bon Dieu bénis-nous parce que ça qui fait un pile bagaille dans communauté un pile monde qui rassemblé un pile monde qui pat dans programme qui tendit l'évangile et un pile vraiment monde tendit et public là qui vraiment ba nous feedback là moi dis bon Dieu merci en pile en connait là en nous passer dans message là maintenant nous gont thème nouveau qui est assez intéressant n'a gagné un sous-thème qui s'est fait que nous content parce que bon Dieu pral fait bagay nouveau pour nous. Fait que nous content parce que bon Dieu pral fait bagay nouveau pour nous. Texte ça nous lit dans Ésaïe 43 verset 19 là. Il dit voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Paroles ça sont paroles qui ont un sens prophétique. En un contexte, ils ont un sens prophétique parce que Israël est en captivité. Peuple bon Dieu a été en captivité. Donc, bon Dieu t'a fait une promesse. Normalement, l'Israël fait un bagage nouveau pour Israël. Et bagage nouveau, c'est parce que Israël gagne pour quitter la terre de la captivité pour être capable de tourner dans la terre natale. Qui sont Palestine dans le langage moderne et dans Israël pour retourner parce que bon Dieu fait promesse la fête plat tourner. Alors Israël était en captivité parce que ils ont pas observé loi bon Dieu pour quitter à reposer. Ils ont pas quitté à reposer et bien bon Dieu t'est voyé en captivité et waouh t'est tombé à servir d'idole faire une série de méchanceté et bon Dieu t'est déplacé. Mais bon Dieu, son bon Dieu fidèle. Bon Dieu, son bon Dieu fidèle à Abraham, Isaac, Jacob. Les papes jamais abandonné peuple Israël. Donc, retour de la captivité, les souligner, les mettre en phase sur la fidélité et la bonté de Dieu. La fidélité de Dieu, parce que bon Dieu, même le monde, lui fait promesse là, pas fidèle totalement, fait erreur, mais bon Dieu lui-même, lui toujours été fidèle. Mais texte tout gagne un aspect historique là ça rappelle nous
sorti Israël en Égypte. Parce que bon Dieu, ce n'est pas pour la première fois, bon Dieu, qu'on fait une route dans le désert. Ça, c'est métier, bon Dieu. Bon Dieu, c'est boss qui toujours fait bagaille impossible, bagaille extraordinaire, que nous n'avons pas qu'à penser. Et nous songeons qui ça, bon Dieu, t'es fait. Les Israël, t'es dans le désert, là. Ouais. Les Israël, t'es dans le désert, là. L'Elsel passe la mer rouge, et bon Dieu fait ouf au milieu de la mer rouge. Et Israël, t'es fait 40 ans avec sandalik pas chiré, avec radik pas chiré, dans le désert, là. Donc, texte va rappeler nous, fidélité de Dieu, à un peuple qui était à murmurer, qui était à faire bagaille, qui n'était pas qu'il voulait mettre confiance dans mon Dieu, mais parce que mon Dieu, son monde fidèle, il promet la faire bagaille. Nouveau pour Israël, la faire retourner. Mais mon Dieu, était déjà qu'on fait ça, avant Isaïe dit ça, mon Dieu, était déjà qu'on fait chemin. Dans le désert, mon Dieu, était fait pour Israël, un chemin. Et nous songeons, la bonté, la miséricorde, la fidélité de Dieu, t'es fait la journée, t'es gagné un couleur, on t'es gagné un colonnier qui t'es couvri peuple là pour le marché. Et dans la nuit, Israël t'es gagné la colonne de feu qui t'a conduit au chaque côté, colonne de feu a t'es campé. Bon Dieu t'es voulu dire campé. Et l'aile t'es déplacé, et bien t'es besoin de déplacer. Eh bien, texte là tout fait un aspect nouveau testamentaire là-dedans. Il y a un aspect théologique, li, aspect évangélique, li, parce que la Bible a été parlé nous, même dans Ézéchiel, il parle nous de ossements desséchés. Et non seulement dans le texte là, il parle des ossements desséchés, dans Jean 3, rencontre Jésus-Christ avec Nicodème. Jésus t'a parlé, Nicodème, de la nouvelle naissance. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il y a même idée encore, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est l'idée des choses nouvelles, c'est la nouvelle naissance côté qui est nous, qui n'est pas juif. Là où mettez la foi en Jésus-Christ, vous acceptez la grâce de Dieu, et bien, moun sa ou vin yon créature nouvelle. Yon vin yon créature nouvelle, yon vin de la vie éternelle qui passe en Israël, c'est ça qui fondait l'Église. Ça, c'est aspect théologique que sont des choses nouvelles que bon Dieu toujours fait. Et bon Dieu travaille dans l'esprit nous, bon Dieu travaille dans l'âme nous, dans le corps nous, li fait nous yon l'autre monde. Donc ça, c'est le grand miracle. C'est le grand miracle là, bon Dieu fait. C'est le grand miracle là, bon Dieu fait. Bon Dieu change nous à travers Jésus-Christ, à travers Saint-Esprit, à qu'on y a nous une petite bon Dieu. Et Saint-Esprit habite dans nous, qu'on y a nous son nouveau monde. Et c'est ça qui fait qu'on y a là, nous pas qu'à marcher n'importe comment, nous pas qu'à faire ça nous voulons, nous pas qu'à aller côté nous voulons. Et là, nous t'arrivons qu'on met un bagage qui mal, l'esprit nous bat. Parce que nous sommes nouveaux. Nous sommes nouveaux. Mais non seulement ça, bon Dieu toujours fait bagaille nouvelle pour nous parce que l'idée, bonté, bon Dieu renouvelé chaque matin. Bonté, bon Dieu renouvelé chaque matin. Dans l'année, ça, année 2022, nous commençons. C'est sûr, frères et sœurs, nous avons assurance que bon Dieu a fait bagaille nouveau pour nous. On pas connait qui Jean le Bralvel. On pas besoin de qui Jean le Bralvel, mais nous devons assurer avant année à finir pendant tout temps ça yo, n'a réalisé que bon Dieu a fait des choses nouvelles dans vie nous. Bagaille que nous pas trouvé déjà parce que bon Dieu c'est boss lié dans fait bagaille nouveau. C'est vrai, année doit commencer pas facile. Mais moi-même avec vous, nous besoin assurer nous. Mais un bon Dieu qui toujours fait bagaille nouveau. Bon Dieu a une capacité pour changer les temps et les circonstances, frères et sœurs.
Bon Dieu a une capacité pour changer les temps et les circonstances. Et année, ça m'a capable de dire que bon Dieu te fait un bagage nouveau dans la croisade de la Mgonde. Bon Dieu fait un bagage nouveau parce que je suis à côté, je me dis, ah, année, je suis le pape qui a commencé, le pape qui a fait la croisade là, parce que date m'a fait bagay ça, on pas fait si appareil ou pas normal, si m'a pas calou un beau système son jusqu'à ce que m'achete mon appareil, m'a fait un campi. Et pendant ça, m'a dans l'esprit, m'a dit, ah, bon, mais c'est un bagay, bon, mais c'est une limadat, bon, mais c'est pas là, c'est une date, bon, mais c'est pas là, c'est cal, peut-être, voyons, m'a dit, ça m'a dit, va pas le fond bagay. Oh, un cadet consacré les Sergilles et Gilbert. C'est Wilda, l'aime pas la fréquence, parce qu'elle dit, pas battre qu'on s'évite. C'est ton bagage nouveau parce que, m'te gintan, pas ouais qui j'aime m'gal fait, m'pas ouais chemin, m'pas ouais route dans moi-même. Mais, bon Dieu, même m'te gintan qu'on est, li gen un groupe solidaire, li gen des serviteurs, des servantes disponibles, li font bagage nouveau, et c'est ton miracle pour m'tap expliquer mounou, m'te dit mounou l'église là, bon, mounou mande nous 12 000 dollars pour son an. Ah! Il y a des gens qui pensent que, ah bon, c'est pas tellement que je ne comprends pas, parce que s'il n'a pas les 12 000 dollars, quand il voit 12 000 dollars, ça pour faire quoi ça de l'année, parce qu'il n'y a pas eu pas bon. Et si bagaille l'église allongée, il n'y a pas de faire, vous, frères et sœurs. Bon Dieu fait un bagaille nouveau, parce qu'elle se bosse pour faire un bagaille nouveau. Amen. Well, ça t'étonne que je ne peux pas parler ça pendant un mois, pendant trois mois, pour me dire que je fais ça. Seulement me trouver dans une situation, je me dis, bon, essayez, bon Dieu, maintenant l'esprit, et des bon Dieu font bagaille nous. Ça veut dire que pour me commencer l'année 2022, bon Dieu font bagaille nouveau. Je me réjouis parce que des centaines d'âmes, parce que son communauté est pile jeune, en pile monde qui à l'école, son côté tout le monde sous activité, nous avons courant toute la journée sous plaisir, côté des jeunes, nous avons déplacé en quantité, nous sommes allés très loin, et je me réjouis parce qu'en pile monde dans l'évangile. Là, nous faisons tout le monde ça autant de l'évangile. Si il y a 200 monde, 300 monde, nous pas responsables. Yo. Parce que nous, même qui chita juste aux États-Unis, bon Dieu, font bagage nouveau parce que l'ilongé ministère nous. L'ilongé ministère nous, côté nous pas à déplacer. Et puis, il fait nous prêcher l'évangile, il fait nous annoncer. Bon Dieu, fait bagage nouveau. Frères et sœurs, je ne sais pas qu'on si c'est peut-être un travail ou besoin. Quittez-moi nous ou mettre Kembe la foi. Bon Dieu capable de faire bagaille à nouveau. Moi pas connais si son maladie qui bon problème. Moi pas connais si son persécution. Moi pas connais qui s'allie. Mais bon Dieu capable de changer. Bagaille soit il là. Bagaille soit comme si il a longtemps. On bagaille cap serrer l'esprit. On bagaille cap bouleverser. On bagaille cap tourmenter. L'Éternel capable de faire bagaille nouveau là-dedans. Et nous songeons qui s'agit de faire dans Jean chapitre 2. Dans notre Akana. Non, non, à Cana, c'était difficile. Les nouveaux mariés, ils trouvaient en face de honte. Parce que, maintenant, ça, si vous arrivez en côté pour dire on finit, c'est ton honte. Parce que vous faites noce, tout invité là, et puis normalement, pour dire on finit. Donc, son bagage qui sont aberrations. C'est ton bagage qui est un gros honte pour les nouveaux mariés. Mais, rappelons-nous, Marie dit, mettre là, ah, ils n'ont point de vin. Yo pa gen dize non. Jésus dit femme, qui ça gagne entre nous avec vous? Mon femme nan, c'est ton titre affectueux et c'est ton titre d'affection, pardon, c'est ton titre d'affection que tu emploies dans moment. C'est pas ton sorte de et jour et Jésus, non, mais c'est ton femme, c'est ton forme d'affection. L'elle te dit femme, l'aime pour corriger. Malgré ça, je dis, mais il faut faire ça quand même. Ça fait me sentir, frères et sœurs. Même les nous prier, bon Dieu, nous, bon Dieu, pourquoi dire rien? Ça ne veut pas dire, pas réagir, parce qu'elle aime nous. Et dans une situation difficile, il a fait un bagage quand même, parce que c'est petit qui nous y est. Et Jésus dit, Marie, de confiance en Jésus. Il dit, serviteur, fais tout ça. Jésus dit, nous fait. Jésus dit, remplis-le de l'eau. Rempli jarre de l'eau. Waouh! Il va faire un bagage nouveau, frères et sœurs. Yo rempli yo, et puis Jésus dit goûter l'eau. Les goûter, l'eau a changé en vin.
sur bagay nouveau. Alléluia. On bagay que nous, on bagay que nous pas espérer, on bagay pas nous pas penser, on bagay nous pas comprendre qui pas dans l'imagination. Et yo t'es obligé à côté mon mari pour dire mais on pas ka comprendre rien. On pas ka comprendre rien. Tout le monde servi et bon divin hein, les tout le monde fin fin sous. Bah yo bon bon divin avant mais les tout le monde fin sous yo bon ça pas fin bon hein. Yo dit mon yo. Ah bah jusqu'à présent nous qu'un des bon divin toujours. Jusqu'à présent les monde fin va pas gagner bon divin toujours. Mon yo pas connait mais mon mari yo pas connait qu'au divin sorti mais serviteur qui te rempli de l'eau jaillot avec gloire. Yo te konnen kote divin an te soti. Se menm jan avèk mwen, frèz et sœur. Gen bagay bon Dieu pral fè nan vi pam, nan vi pa ou, nan vi nou, moun pap konnen men nou menm nap konnen kote divin soti. Amen. Moun pap ka konprann pase tèt, se sera un mirak, son mirak li. Yo pap ka wè ni piye, yo pap ka wè ni vant li, ni tèt li. Men mwen menm avèk ou ki pitit bon Dieu nap kapab konnen kote l soti, e fòk nou gen le kouraj. Bravo pour nous camper dans le public n'importe côté pour nous témoigner ça c'est bon Dieu fait parce que nous même les monde pas connaît Marie qui ne doit pas connaître madame qui ne doit pas connaître petite qui ne doit pas connaître cousin qui ne doit pas connaître mais nous même nous connaît côté miracle la sortie nous connaît c'est bon Dieu fait parce que c'est bon Dieu nous gagne c'est Jésus nous gagne c'est Saint-Esprit nous gagne c'est Bible nous gagne nous pas gagne Satan nous pas gagne l'autre côté machine qui nous met nous monde pas qu'à comprendre comment le faire dans nous mais c'est mon Dieu nous connaît côté le soutien nous capable de dire travail là monde pas capable comprendre la santé guérison protection nous ne gagne pas qu'à connaître la joie qui est dans nous dans les moments difficiles dans les épreuves nous ne pas qu'à connaître côté le soutien. Mais moi-même avec vous qui c'est petit bon Dieu, nous connaissons côté le sorti, nous connaissons sorti dans le Saint-Esprit. Parce que bon Dieu toujours fait bagay nouveau. Frère Maxenio, dans le moment ça, nous assurons sûr que bon Dieu toujours gagne des choses, bon Dieu possède le monde. Ça veut dire, nous devons espérer toujours en Dieu qu'il fera des choses nouvelles. Nous devons marcher avec ça dans l'esprit, nous, dans la tête, nous. Quelle que soit la situation, nous y faut que nous connaissions bon Dieu qui a fait bagay nouveau. Frère Maxime, bon Dieu peut faire bagay nouveau pour nous. On ne fait que nous content parce que bon Dieu a toujours fait. Fait que nous content parce que bon Dieu peut faire bagay nouveau pour moi-même, pour vous-même. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Et qu'elle multiplie bénédiction matin. Amen. 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 Amen.